C'est bon, Geneviève? Parfait. Alors, on va procéder à l'ouverture de la séance. Alors, la séance est déclarée ordinairement constituée à 19h. Adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme déposé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui, oui. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2024. Considérant que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2024 et renoncent conséquemment à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2024 soit adopté et signé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Alors, période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. Alors, j'invite les personnes intéressées à poser des questions sur les sujets à l'ordre du jour. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook à la séance. Je tiens à rappeler que la séance est diffusée sur les réseaux sociaux et que les citoyens se présentant au micro sont avisés que leurs renseignements personnels, tels que leur nom, adresse et image, sont aussi diffusés au public. Alors, j'inviterai les gens à se présenter au micro, se nommer et donner son adresse. Merci. Bonjour, Edith Dehaene, 393 Chemin du Haut de la Chute. Alors, j'aimerais savoir, vous avez aujourd'hui le rapport 392-2022, la délégation d'autorisation. J'aimerais savoir si vous avez trouvé un directeur par intérim pour le service incendie. Non, pas pour l'instant. Alors là, ça va faire 2 mois qu'on n'aura pas de directeur. Un mois? Oui, 2 mois. Bien. Oui. Est-ce que ça s'en vient? Oui, exactement. OK. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions au sujet de l'ordre du jour? Est-ce qu'on a une question sur les réseaux sociaux? Non, pas de questions. Donc, merci beaucoup. On va procéder. Dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil municipal, mise à jour, M. Kevin Ménard. Conformément à l'article 360.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la déclaration d'intérêt pécuniaire mise à jour de M. Kevin Ménard est déposée. Merci. Dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs janvier. Le rapport du mois de janvier quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévus par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs est déposé à la présente séance. Merci. Autorisation d'appel d'offres publiques. Considérant que la Ville de Rigaud désire procéder au lancement des appels d'offres suivants. Achat d'un balai mécanique. Achat de 2 camions 10 roues, un en 2024 et un en 2025. Travaux de pavage pour l'année 2024. Services professionnels, augmentation de la capacité de l'usine de traitement, mise aux normes pour les étangs aérés, mise en marche du poste de pompage 5 Joly, travaux d'aménagement cyclable, secteur Bourget, services professionnels, analyse des eaux potables, eaux usées, neige usée et jets d'eau, laboratoire pour les années 2025, 2026 et 2027,
avec option de renouvellement pour les années 2028 et 2029. Service de désodorisation par neutralisant d'odeur pour les années 2024 et 2025 avec option de renouvellement pour l'année 2026. Service d'un entrepreneur en électricité pour deux années 2025 et 2026. Travaux d'abattage et d'élagage d'arbres dangereux. Service de nettoyage et de vidange de puisards, stations de pompage, regards, conduites et réservoirs d'égout. Nettoyage de chambres et de boîtiers de vannes, incluant le transport et disposition des résidus pour les années 2025, 2026, 2027, avec option de renouvellement pour les années 2028, 2029. Fourniture et livraison de sel de déglaçage régulier ou pré-traité pour les saisons 2024, 2025, 2025, 2026, 2026, 2027, 2027, 2028 et 2028, 2029. Vidange de boue de fosse septique pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028. Déneigement et dépandage d'abrasifs pour les années 2025 et 2026, avec option de renouvellement pour les années 2027, 2028, 2029. Amassage de la neige sur le territoire de la ville de Rigaud pour les années 2025 et 2026, avec option de renouvellement pour les années 2027, 2028, 2029. Considérant que la ville de Rigaud désire procéder au renouvellement des contrats suivants pour l'année 2025, collecte, transport et disposition des matières résiduelles diverses, ainsi que la fourniture, livraison et entretien des bacs roulants, fourniture d'essence ordinaire et diesel pour les véhicules et les équipements motorisés, ainsi que pour la fourniture de réservoirs à essence ordinaire et diesel avec pompe, pistolet et système de gestion. Collecte, transport et disposition des matières organiques avec fourniture, distribution, entretien et gestion de bacs roulants. Fourniture, livraison et disposition de divers matériaux granulaires. Considérant l'article 573 de la Loi sur les cités et villes, considérant le règlement numéro 396-2023 sur la gestion contractuelle, par conséquent, je propose d'autoriser l'administration de la Ville de Rigaud à procéder au lancement des appels d'offres publics suivants, dont j'ai fait la lecture précédemment. D'autoriser l'administration de la Ville de Rigaud à procéder au renouvellement des contrats dont j'ai fait la lecture précédemment. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Excusez, mon micro. Je m'assure d'ouvrir le débat. Vous me permettez? Allez-y. Merci. Moi, je considère qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans le temps, et en particulier pour ce qui concerne les services professionnels en lien avec l'augmentation de la capacité de l'usine de traitement des eaux usées, capacité de l'usine de traitement est mise aux normes pour les étangs aérés. J'ai besoin d'avoir plus d'informations avant d'approuver le lancement d'un appel d'offres sur ce dossier-là particulièrement. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent se prononcer là-dessus, là, ou si vous voulez passer au vote maintenant. On va passer au vote. Monsieur Meunier? Alors, je suis contre. Monsieur Martin? Je vais justement peut-être répondre à ça. Avec les années précédentes que j'ai travaillé comme conseiller, les étangs aériens, c'était quelque chose que jamais abouti. Puis maintenant, elle va pouvoir aboutir pour les étangs aériens, pour le secteur urbain. Si on va pas là, on va dire sur le côté, on va attendre. Ça, c'est des mises en avant. C'est sûr que la ville va nous donner tout ce qui va suivre avec les étangs aériens. Même moi, comme conseiller, je l'ai suivi pas à pas. Puis ça ne s'est jamais réalisé dans les presque les 11 années que j'ai été conseiller. Ça fait si qu'il y a de l'avance, comme je vois là, certainement je suis pour, puis je vais voter pour les contrats dans le temps. Je vois que les contrats sont pour plusieurs années, mais s'il va pas avoir un meilleur prix, on va dire à travers des années, qu'on va année après année après année, ça fait beaucoup d'ouvrages, puis on va dire sur le côté, à chaque année, on va justement voir comme le déneigement, ça a été un fiasco, on s'est viré de bord, puis on avait
On est obligé de pelleter vers l'avant pour la neige. Où ce qu'on a vu que le augmentation a été vraiment crucial pour le budget de la ville. Ça fait, moi, je vais dire ce côté, si j'ai à voter sur quoi ce qu'il y a là, je vais voter oui. Merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre à M. Martin? Mais je trouve ça intéressant, votre point de vue. Je vous remercie d'ailleurs de vous prononcer là-dessus. Mais je voudrais juste préciser ma pensée, puisque vous en parlez. Je parle particulièrement du projet d'augmentation de la capacité des étangs. Je suis d'accord, moi aussi, pour qu'on procède au plus vite là, pour mettre aux normes notre usine. Cependant, bien qu'on le suive pas à pas, comme vous dites, on n'a pas eu beaucoup d'informations cette dernière année. Ce que je dis, c'est qu'avant de donner le go pour aller en appel d'offres, je pense, moi, en tant qu'élu, je considère que les élus, on devrait avoir plus d'informations pour savoir quelle orientation on va donner à ce projet-là. C'est le plus gros projet. C'est dans toute cette liste-là, en termes d'implication là, de projet, c'est un gros projet. C'est plusieurs millions de dollars. Là, c'est un appel d'offres pour les services professionnels. Mais quand on s'engage dans cette étape-là, c'est parce que la construction va suivre après. Je pense que c'est important qu'on se prononce avec de la bonne information. C'est pour ça que moi, je dis, on n'est pas pressé. De toute façon, il y a d'autres étapes à passer avant d'aller de l'avant avec un appel d'offres pour ses services professionnels. J'aimerais en avoir plus d'informations avant de donner le go à l'administration pour lancer l'appel d'offres. Je voulais juste préciser ma pensée là-dessus. Merci. Pour. Monsieur Ménard? Pour. Monsieur Pelletier? Pour. Monsieur Lapointe? Pour. Merci. Adopté à la majorité. Autorisation de signature, entente de service aux personnes sinistrées de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Considérant que la Ville de Rigaud doit prendre des mesures pour assurer la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité des personnes et des biens lors des sinistres, considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge, c'est après la Croix-Rouge, au moyen de ses ressources, incluant une force bénévole et de son expertise, est susceptible d'aider et de soutenir à titre d'auxiliaire les interventions de la Ville lors de sinistres, considérant que la Croix-Rouge est reconnue par le ministère de la Sécurité publique pour préparer et mettre en œuvre les services aux personnes sinistrées lors de sinistres, considérant que l'entente de service aux personnes sinistrées soumises à la Ville. Par conséquent, je propose que le Conseil approuve l'offre de service aux personnes sinistrées de la Croix-Rouge, que le Conseil municipal autorise la signature de l'entente de service aux personnes sinistrées pour et au nom de la Ville de Rigaud par la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence, la greffière adjointe. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Reconduction de la division du territoire de la Ville de Rigaud en districts électoraux. Considérant que la Ville de Rigaud possède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans. Considérant que cette division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9,11 et 12 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Considérant que la Ville doit procéder à une demande de reconduction de sa division avant le 15 mars de l'année civile et procéder celle où doit avoir lieu élection générale. Je propose que la Ville de Rigaud demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la Ville de Rigaud, de la Ville en districts électoraux. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat janvier 2024.
Le directeur général dépose devant le Conseil le rapport de la liste des bons d'achat du mois de janvier 2024, représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. Merci. Approbation de la liste des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er au 31 janvier 2024, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 14 février 2024. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs, du règlement numéro 396-2023 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil. Je propose que la liste des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 31 janvier 2024 pour les dépenses particulières de janvier 2024 totalisant 988 893,69 soit adoptée. Que le paiement des comptes à payer du 31 janvier 2024 énuméré dans la liste totalisant 300 985,85 soit autorisé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 296 000 $ qui sera réalisé le 26 février 2024. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rigaud souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 296 000 $ emprunt qui sera réalisé le 26 février 2024. Le règlement d'emprunt numéro 241-2008 visant l'acquisition du lot 111, partie du cadastre du village de Rigaud et financement de cette acquisition par un emprunt de 495 000 $ pour un montant de 147 800 $. Règlement d'emprunt numéro 244-2008 visant l'acquisition des lots 176-14 et 177-14 du cadastre de la paroisse de Sainte-Madeleine-de-Rigaud et financement de cette acquisition par un emprunt de 100 000 $ pour un montant de 31 400. Règlement d'emprunt numéro 318-2013 visant la construction d'infrastructures municipales et le prolongement de la rue Agathe et financement de ses travaux pour un emprunt de 719 307 $ pour un montant de 452 200 $. Règlement d'emprunt numéro 328-2014 décrétant une dépense de 7 400 000 $ et un emprunt de 7 400 000 $ pour la construction d'un hôtel de ville, d'un garage municipal et d'une caserne incendie pour un montant de 2 208 000 $. Règlement d'emprunt numéro 353, numéro 2018, décrétant des dépenses et un emprunt de 1 130 469 $ pour le financement du programme de mise aux normes des installations septiques pour un montant de 456 600 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que la Ville de Rigaud avait, le 26 février 2024, un emprunt au montant de 3 308 000 $ sur un emprunt original de 4 217 000 $ concernant le financement de ces règlements, considérant le remboursement lors du refinancement de la somme de 12 000 $ sur le solde à refinancer du règlement 353-2018, considérant, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 328-2014, 318-2013 et 353-2018, la Ville de Rigaud souhaite émettre une série d'obligations pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Par conséquent, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations seront par échéance et datées du 26 février 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 26 février et le 26 août de chaque année. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation, CDS Inc., si après appelé CDS, et seront déposées auprès de CDS. Les obligations seront signées par la mairesse et le trésorier, la Ville de Rigaud, telle que permis par la loi à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 20, 30 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 328-2014, 318-2013 et 353-2018 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 26 février 2024, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Adjudication pour l'emprunt par obligation. Considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro 241-2008, 244-2008, 318-2013, 328-2014 et 353-2018, la Ville de Rigaud souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville de Rigaud a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'éducation et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée du 26 février 2024 au montant de 3 296 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Valeur mobilière des Jardins Inc., prix 98,28, coût réel 4,99%. BMO Nesbitt Burns, prix 98,83, coût réel 5,019%. Financière Banque Nationale Inc., prix 98,527, coût réel 5,023. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur mobilière Desjardins Inc. est la plus avantageuse, par conséquent, je propose que l'émission d'obligations au montant de 3 296 000 $ de la Ville de Rigaud soit adjugée à la firme Valeur mobilière Desjardins Inc. Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Inc., si après appelé CDS, pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation » de débit préautorisé destiné aux entreprises, que la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Gestion du personnel, mouvement du personnel janvier 2024. Le rapport du mois de janvier quant au mouvement du personnel découlant de l'exercice des pouvoirs délégués prévu par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs et l'article 73.2 de la loi sur les cités civiles est déposé à la présente séance. Merci. Entente de sauvetage spécialisée en hauteur et en espace clos, transfert des revenus 2024 à l'excédent affecté. Considérant que la Ville de Rigaud présente son rapport financier selon les principes comptables généralement reconnus PCGR, soit les normes comptables canadiennes pour le secteur public prescrites par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public CCSP et de CPA Canada. Considérant que la Ville dispose d'un excédent affecté hauteur et espace clos, considérant que les dispositions des ententes intermunicipales établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée en sauvetage en hauteur et en espace clos, je propose que le conseil municipal autorise les transferts suivants à l'excédent affecté hauteur et espace clos. Revenu 2024 provenant de la facturation des quotes-parts pour les interventions en espace clos, montant à transférer 24 311,62. Revenu 2024 provenant de la facturation des quotes-parts pour les interventions de sauvetage en hauteur, montant à transférer 14 692,87. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Dépôt et approbation du rapport annuel 2023 du service de sécurité incendie de Rigaud. Considérant que la Ville de Rigaud doit transmettre annuellement, conformément au schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, adopté le 22 février 2023 et entré en vigueur le 6 mars 2023, le registre annuel des interventions nécessitant la force de frappe ainsi que le rapport annuel des activités comprenant le plan de mise en œuvre pour l'année concernée et les tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance, considérant que le service de sécurité incendie doit déposer ses rapports lors d'une séance du conseil municipal pour approbation, considérant que les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir pris connaissance des documents déposés. Je propose que la Ville de Rigaud approuve le rapport annuel des activités 2023 et le registre des interventions 2023 déposées par le service de sécurité incendie, que la Ville de Rigaud confirme que ce rapport concerne, en plus de la Ville de Rigaud, les municipalités desservies de Pointe-Fortune et de Tressaint-Rédempteur pour l'année 2023, qu'une copie des documents de cette résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Adjudication de contrat à la suite d'un appel d'offres public pour le marquage de chaussée pour les années 2024, 2025 et 2026, avec possibilité de renouvellement pour les années 2027-2028-2024-STP101, considérant les besoins de marquage de chaussée pour les années 2024, 2025 et 2026, avec la possibilité de renouvellement pour les années 2027-2028, comme décrit au document d'appel d'offres, considérant la publication du devis d'appel d'offres sur le système électronique d'appel et d'offres en date du 18 janvier 2024, ainsi que l'avis d'offres dans le journal Constructo en date du 18 janvier 2024, considérant l'ouverture publique des soumissions qui s'est tenue le 6 février 2024 à 10h10 dans la salle du Conseil, et ce, conformément à la loi de Cités et Villes, considérant que le résultat d'ouverture et des soumissions est joint à la présente pour faire partie intégrante, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Ligne Rive-Sud Inc., je propose d'adjuger le contrat pour le marquage des chaussées pour les années 2024, 2025, 2026, avec possibilité de renouvellement pour les années 2027, 2028 à l'entreprise Ligne Rive-Sud Inc. pour un montant annuel de 99 417,43 $, soit un montant de 298 252,29 $ pour les années 2024, 2025, 2026, et ce, avant toute taxe applicable. D'autoriser la greffière et ou, en son absence, la greffière adjointe à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Octroi de contrat gré à gré pour l'acquisition d'un tracteur utilitaire 4 saisons de marque John Deere, Agritex Saint-Polycarpe, considérant le règlement numéro 396-2023 portant sur la gestion contractuelle, considérant que la Ville de Rigaud a procédé à une demande de prix pour l'acquisition d'un tracteur utilitaire 4 saisons de marque John Deere, modèle 4052R, incluant une pelle avant, considérant les appels d'offres reçus d'Agritex Saint-Paul-Cap, Agritex Sainte-Martine et groupe GLD-LAG de Laval, considérant que l'appel d'offres reçu d'Agritex Saint-Paul-Cap a été reconnu conforme et répond aux besoins de la Ville de Rigaud, tout en respectant les conditions édictées au dit règlement portant sur la gestion contractuelle, je propose d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un tracteur utilitaire 4 saisons de marque John Deere à Agritex Saint-Polycarpe à la suite d'une recommandation formulée par le Service de l'aménagement et du développement, division de travaux publics, au prix de 75 600 $ et ce, avant toute taxe applicable. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Octroi de contrat de gré à gré pour la réalisation d'un plan particulier d'urbanisme pour le parc du Dr Oscar Gendron, Agence de planification urbaine et régionale APUR, Inc. Considérant le règlement numéro 396-2023 portant sur la gestion contractuelle, considérant que la Ville de Rigaud a procédé à une demande de prix pour la réalisation d'un plan particulier d'urbanisme pour le parc du Dr Oscar Gendron, considérant que deux offres de prix ont été reçues, soit de l'Agence de planification urbaine et régionale, si nommée APUR Inc., et de l'Atelier Urbain Inc., considérant qu'une troisième entreprise a été invitée à transmettre une demande de prix, mais que celle-ci a dû se désister par manque de temps, considérant que l'offre reçue d'APUR l'a été dans les délais prescrits, soit au plus tard le 29 janvier 2024, mais que celle de l'Atelier Urbain a été reçue le 2 février 2024, considérant que l'administration a autorisé la prolongation du délai de dépôt
afin d'être en mesure de comparer l'offre de prix reçue au préalable par APUR. Considérant que les deux offres de prix ont été reconnues conformes aux documents de demande de prix, considérant que l'offre reçue d'APUR répond aux besoins de la Ville de Rigaud et respecte les conditions édictées au règlement numéro 396-2023 portant sur la gestion contractuelle, par conséquent, je propose d'octroyer le contrat pour la réalisation d'un plan particulier d'urbanisme pour le parc du Dr Oscar Gendron à l'Agence de planification urbaine et régionale APUR Inc., à la suite d'une recommandation formulée par le service de l'aménagement et du développement, division urbanisme, au prix de 73 000 et ce, avant toute taxe applicable. Merci. Est-ce que c'est unanime? Une demande de précision, s'il vous plaît. Oui. Je suis d'accord avec cette proposition, mais j'aimerais seulement m'assurer que tous les élus seront invités aux réunions du comité de travail de la Ville. Oui, tous les élus. Puis, il va y avoir aussi des consultations auprès des citoyens, oui. Auprès des entrepreneurs. Puis, mais oui, les élus vont tous participer aux réunions du comité de travail. Merci. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de signature, entente intermunicipale relative au camp de jour Folie d'été 2024 entre la Ville de Rigaud et la municipalité de Pointe-Fortune, Sainte-Marthe et Très-Saint-Rédempteur. Considérant que les municipalités de Pointe-Fortune, Sainte-Marthe et Très-Saint-Rédempteur n'offrent pas de services de camp de jour, considérant que la Ville de Rigaud propose d'accueillir les enfants de ces trois municipalités à son camp de jour, considérant que les coûts relatifs aux demandes d'accompagnement pour les enfants nécessitant des besoins particuliers, considérant qu'il y a lieu de prévoir par une entente intermunicipale le partage de ces coûts entre chacune des municipalités. Je propose que la Ville de Rigaud accepte les inscriptions des enfants nécessitant des besoins particuliers provenant des municipalités de Pointe-Fortune, Sainte-Marthe et Très-Saint-Rédempteur et que les coûts relatifs à l'accompagnement soient aux frais de la municipalité d'attache des enfants. Que la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud les ententes intermunicipales relatives au camp de jour Folie d'été 2024 avec chacune des municipalités partenaires. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Subvention tournoi provincial 2024, organisation Pee-Wee. Considérant que la Ville a reçu une demande de renouvellement pour subvention pour le tournoi provincial 2024 de l'organisation Pee-Wee pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et ce, dans l'intérêt des enfants de la Ville de Rigaud. Considérant que le tournoi s'est déroulé du 7 au 11 février 2024 à l'aréna du Collège Bourget à Rigaud, considérant les retombées économiques de cet événement et le partage des fonds amassés qui seront redistribués au bénéfice des jeunes hockeyeurs de Rigaud. Par conséquent, je propose d'autoriser l'octroi d'une subvention de 3 000 pour le tournoi provincial 2024 de l'organisation Pee-Wee afin de permettre, entre autres, à l'organisation d'atteindre ses objectifs et ce, dans l'intérêt des enfants de la Ville de Rigaud. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de subvention à loisirs, soutien à l'élite sportive et culturelle. Considérant les demandes de subvention à loisirs, soutien à l'élite sportive et culturelle reçues par le service des loisirs, culture et tourisme, considérant que les candidats font partie de la sélection pour représenter le Québec, considérant que les candidats ont participé ou participeront à des événements sportifs dont les détails apparaissent au tableau 6 juin. Désolé, on ne voit pas le tableau. Considérant que les demandes de subvention s'inscrivent dans la politique d'attribution des subventions de loisirs volet 2, soutien à l'élite sportive et culturelle, par conséquent, je propose de verser une subvention de 250 $ à chacune des personnes suivantes dans le cadre de la politique d'attribution des subventions à loisirs, volet 2, soutien à l'élite sportive et culturelle. Et là, je m'excuse si je prononce mal certains noms. Donc, il y a 5 personnes à qui les subventions vont être proposées, offertes. Là, Jacob Malakai, Christian Spinou, Alissa Bézing, Élodie Chartrand et Matteo Especia. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.
Donc, la séance est presque terminée. On passe maintenant à la période d'information. Donc, à tour de rôle, les membres du conseil sont invités à soumettre des informations aux personnes intéressées. Donc, on va commencer avec M. Meunier du district numéro 1. C'est toujours une surprise, hein? On ne sait plus par qui on va commencer. Alors, c'est une période d'information. Donc, d'abord, merci d'être ici ce soir, ceux qui sont ici. Merci de nous suivre à distance. Je veux vous informer d'abord, je vous en ai parlé à la dernière séance, j'ai reçu dans les derniers jours l'avis de convocation pour cette action-là qui a été votée par les membres ici du Conseil pour demander à la Ville de Rigaud de prendre action à la Cour supérieure là, contre moi en lien avec mon éligibilité et les critères de résidence, les deux critères de résidence qui sont dans les obligations qu'on doit respecter quand on est candidat à une élection. Et donc, je veux simplement vous dire aujourd'hui que j'ai reçu cette lettre, Ville de Rigaud contre Charles Meunier, l'avis que l'affaire sera entendue à 9h le 14 mars prochain à Valleyfield, à la salle 5.0. C'est ouvert au public. Donc, ceux qui souhaitent y participer peuvent le faire. Ceci étant dit, quand moi je me suis présenté aux élections il y a 2 ans, en fait, à peu près à cette époque-ci, là, c'est-à-dire 1 an et demi ou un peu plus avant l'élection, je me suis mis à m'intéresser davantage à cette idée-là là, de me présenter, puis à commencer à réfléchir à un éventuel programme que je déposerais, que je présenterais. Et pendant la campagne, j'ai bien mentionné que je ne serais pas conseiller 2 fois. Alors, c'est certain que je ne serais pas conseiller du district numéro 1. Je ne me présenterai pas comme conseiller du district numéro 1 à la prochaine élection. Et je vous dis ça parce que vous avez vu aujourd'hui dans l'ordre, dans la séance, là, on a parlé des districts électoraux. On avait à se prononcer sur la division des districts, là, puis on a conservé la même division qu'à la dernière élection. C'est ce qu'on a voté tantôt, un peu plus tôt. Et donc, on commence à parler d'élections. Hein, à l'autre séance aussi, on a parlé un petit peu. Ça s'en vient, c'est 1 an et quelques ans, c'est novembre 2025, plus qu'un an et demi. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des gens qui s'y intéressent et qui commencent à y penser. Et puis, tournez ça dans vos têtes. Des gens qui ne sont pas ici souvent aussi, peut-être, qui sont à la maison, qui nous écoutent. Ça peut être... c'est sûr, quand je dis des choses, comme je viens de vous lire tantôt, là, ça ne semble pas tellement intéressant, mais ça peut être très intéressant, puis surtout très constructif pour la ville de Rigaud, pour notre ville, pour les citoyens de la ville de Rigaud. Alors, moi, je vous invite à y penser. On a besoin d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, des gens qui ont des talents, qui ont des compétences, des connaissances, et surtout cette intégrité, cette honnêteté et cette volonté de faire de Rigaud une ville à long terme qui va être où on va être bien, nous, nos enfants et nos petits-enfants. Et puis, j'allais dire, s'il y en a qui se posent des questions, c'est quoi être conseiller? C'est quoi être maire d'une ville? C'est quoi être un élu? Bien, posez-nous des questions. Moi, je vais vous accueillir. Là, si vous voulez que je vous partage mon expérience, ça me fait plaisir, en tout respect de mon code d'éthique et de déontologie, bien évidemment. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. La dernière élection, il y a eu... Il y a eu 3 districts qui ont eu disons, élections par acclamation parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Bien, ça serait intéressant qu'à la prochaine élection, il y ait des gens qui puissent se présenter davantage. Donc, c'est mon invitation. Et puis, je vous remercie à l'avance là, d'y penser. Et... ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais m'en réserver pour le mois prochain. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Martin, du district numéro 2. Bonsoir tout le monde. Juste un instant, Monsieur Martin. Monsieur Meunier, juste fermez le micro. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Martin.
Il dit, des fois, je ne parle pas assez fort. Bonsoir tout le monde. Je suis content de vous voir tout le monde ici. Très intéressant, quoi. Conseiller du district numéro 1 a dit. C'est vrai, on a besoin du monde qui allons se prononcer. La dernière élection, moi j'ai 11 ans, je m'en vais sur ma 11e année comme conseiller. C'est quelque chose que j'aime. Je pense que j'ai essayé de prendre les meilleures décisions possibles pour les citoyens. Être à l'écoute, puis être OK, agir, puis travailler avec le conseil à tout temps. Ça fait, je suis un type de personne qui va travailler avec les autres, qui va garder les choses. Puis, comme ça va être le temps pour voter, je vais voter pour la meilleure capacité de mes savoirs, puis les documents que je peux recevoir pour être capable de féliciter mon ouvrage comme conseiller. La dernière élection, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me demander des questions. C'était quoi le rôle d'un conseiller? Je vous ai tout expliqué. Ce n'est pas juste une assemblée par mois. C'est beaucoup d'ouvrages. Quand on tombe dans le budget, on travaille fort. Puis, on essaie aussi de travailler avec l'administration, travailler avec nos employés. C'est, on va dire, du côté, oui, c'est politique. Moi, je ne suis pas un gros politicien. On va dire, la politique, ce n'est pas quelque chose que j'adore. Mais, on va dire, sur le côté, des fois, je trouve que la politique est très lente. Les décisions, des fois, ils ne font pas mon affaire. Mais, on va dire, sur le côté, j'essaie de faire le mieux que je suis capable. Moi aussi, je suis en réflexion pour les prochaines années à venir comme conseiller pour la ville de Rigaud. À la fin de mon mandat, je vais avoir 12 ans de fait comme conseiller pour la ville de Rigaud. Puis, on va dire, sur le côté, c'est quelque chose que j'aime. J'aime ça travailler avec le public. J'aime ça travailler aussi avec le conseil. Puis, je pense qu'on est un conseil très proche. Puis, on essaie de prendre les meilleures décisions possibles. Ça fait, dans le district numéro 2, c'est un bon district. Le monde qui m'appelle, le monde qui vient me voir, que je vois les voir, qui me questionne sur certaines choses. J'essaie de donner le plus de service possible. Je suis disponible 24 heures par jour. Mon téléphone, ici, il est ouvert 24 heures par jour. Ça fait, si un de mes citoyens veut m'appeler, puis je ne parle pas juste le district 2, je parle la ville de Rigaud, il m'appelle, parce que je n'ai pas seulement des citoyens de mon district qui m'appellent. J'ai beaucoup aussi des citoyens qui ne sont pas de mon district, puis j'essaie de les diriger dans la bonne direction pour les aider selon le pouvoir que j'ai comme conseiller. Ça fait, je comprends bien quoi ce que M. Meunier a dit. Peut-être que c'était une épreuve pour lui, puis on va dire ce côté. Ça fait 2 ans qu'on est assis ensemble, côte à côte. Puis c'est tout un vouloir, de vouloir se présenter comme conseiller pour une ville. On va dire sur le côté, aujourd'hui c'est gros là, on a un MRC, on a l'environnement, on a des choses, moi je suis beaucoup environnemental, je me bats beaucoup, je suis pas tellement pour les pits de sable, comme vous le savez, je suis là pour la protection de la nappe phréatique. Je me bats, puis je vais continuer de battre, même si je ne me présente pas dans 2 ans. Je vais continuer de battre pour la protection de notre eau potable. Puis, on va dire, peut-être, si je ne suis pas conseiller, j'aurais peut-être moins les mains attachées. Par la politique, ça t'attache les mains un peu. On va dire, ce côté, c'est... Je veux bien que vous laissiez savoir aussi, on pense tous les conseillers en réflexion. Pour les prochaines élections. C'est vrai, il faut qu'on le lève d'avance. C'est un coût pour la municipalité. Comme qu'on se présente, ça coûte cher pour les élections. Mais en étant que c'est un côté démocratique, ça fait en marche un côté démocratique. Puis, on va dire, c'est que la
la raison pourquoi moi je suis là, c'est que pour travailler avec nos citoyens. Ça fait vous remercier beaucoup de m'avoir écouté. Je n'ai pas beaucoup de nouvelles parce que je suis en vacances. Ça fait le district 2. Je n'ai pas eu beaucoup d'appels. J'ai fait une couple de tournées pour voir si le district, il n'y avait rien qui clochait. Mais je n'ai pas eu d'appel à rien de ça. Ça fait, ça a l'air à bien marcher quand même dans mon district. Puis je n'ai pas eu d'autres appels non plus. Ça fait vous remercier beaucoup pour m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup, M. Noël, du district numéro 3. Bonsoir, merci d'être venu en grand nombre. Merci à ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Je voudrais premièrement commencer en félicitant les employés municipaux qui se sont vraiment donnés à fond pour qu'on ait une patinoire à peu près potable, malgré les conditions climatiques, pour le festival Glisser et Glisse. Félicitations, ils ont travaillé d'arrache-pied. Il y en a qui ont travaillé toute la nuit avant l'événement pour s'assurer qu'on ait une patinoire en bon état, puis que les enfants de Rigaud et les parents aussi aient du plaisir à la journée glisse et reglisse la fin de semaine passée. Le 3 février. Je dois donner mes félicitations aussi au personnel du centre de ski qui fait des miracles malgré les conditions météorologiques pour garder les pistes ouvertes. Je leur lève mon chapeau. Je vais revenir un peu sur la circulation routière encore. Faites attention, Hydro-Québec fait des travaux, entre autres, à la sortie 9. Ils sont en train de changer des poteaux électriques qui surplombent le viaduc de Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a beaucoup de véhicules sur le bord de la route. Ils font aussi beaucoup de bouettes sur les chemins. Donc, faites attention quand vous circulez. Ils sont également en train de faire, je pense, un début de... Ils sont en train de commencer des travaux de nettoyage en dessous des lignes des arbres sur Gironné-Gautier. Il y avait plusieurs camions là hier. Encore là, faites attention parce que quand ils sont là, ils sont à peu près 10-12 camions. Là. Il y en a un peu partout du monde, fait que circulez prudemment, s'il vous plaît. De même, sur la grande ligne, la minute qu'il va y avoir de l'humidité sur le chemin, ça va devenir boiteux parce que les camions ont recommencé à circuler en grand nombre sur la grande ligne. Je suis passé hier et c'était pas très, très propre. Là. Fait que faites attention, comme c'est de la glaise qui charrie, ça devient du savon quand c'est mouillé. Parlant de la température, la glace, ceux qui ont des cabanes à pêche, j'espère que vous avez eu une belle saison. On va espérer qu'elle va se continuer, mais la glace n'est pas solide. Faites attention. Il y a des gens qui ont passé à travers la glace sur le lac Saint-Louis, à Notre-Dame-de-l'Île-Perrault. Il y a des cabanes qui sont parties à la dérive à Trois-Rivières. Donc, faites attention. La glace n'est pas solide. On n'a pas eu un très bon hiver. La glace est ce qu'on appelle pourrie parce que elle n'est pas dure. Là. Puis, comme il y avait de la neige par-dessus, elle n'a pas gelé solide. Point de vue urbaniste, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Entre autres, juste pour vous donner un petit résumé, là, puis faire un petit peu démentir un peu ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Dans le mois de janvier, il y a eu 14 permis et certificats d'émis pour une valeur de un peu plus de 1 100 000 $. Donc oui, ça construit encore à Rigaud. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ménard du district numéro 4. Merci. Bien, merci à vous tous d'être présents ce soir. Je vais commencer par le comité de la voirie. On a eu une rencontre il y a deux semaines en comité. Donc, le comité de la voirie, on a eu le secteur du croisant de Suroy. Une solution a été soumise aujourd'hui. On est en attente d'autorisation pour que la voirie aille avec la recommandation. Donc, ça devrait être fait sous peu au printemps. Politique sécurité. Donc, le conseil municipal a adopté la politique de modération de la circulation lors de la séance du conseil du 10 octobre 2023. On a eu la première séance du comité avec cette nouvelle politique. On a eu, je n'ai pas les nombres exacts, on a eu à peu près 8 demandes qui ont été reçues en bonne et due forme. Plusieurs de ces demandes-là ont été refusées car c'était sur le chemin du MTMD. Fait que si on parle d'un chemin du MTQ, ça, on n'a pas de juridiction à part de faire les résolutions comme vous avez vu dans le passé et qu'on a aussi avec l'administration, on peut faire des recommandations directement avec le MTMD. Donc, pour ça, si vous faites une demande, mettons, on parle de 201, Saint-Pierre, etc., vos demandes ne sont pas considérées dans cette politique. Mais on a eu au moins déjà une demande qui est déjà en étude pour implanter une solution déjà prochainement. Moi, je voudrais rendre un grand merci à tous les citoyens pour votre vigilance d'avoir pris le temps de remplir le formulaire. Et
pour moi, en tant que 3 mois, c'est un succès, au moins d'en avoir au moins 8. Là. Donc, si vous voulez aller le voir, c'est vraiment le nom de la politique, c'est le, comme j'avais dit, la politique de modération de la circulation. Comité de loisirs, mais comme mon collègue Marc il l'a dit, un grand merci aux participants et aux employés de la ville qui ont travaillé fort pour qu'on ait une belle patinoire. C'était un miracle, donc, vraiment. Là, le mercredi soir, ils ont décidé de tout prendre les efforts pour faire juste la patinoire seulement, parce que toute l'anneau, c'était pas impossible. Puis ils ont réussi, fait qu'au moins tous les participants, les visiteurs ont réussi à avoir une belle journée. Merci aussi aux visiteurs et aux jeunes familles qui ont participé en grand nombre. C'était quand même un gros succès. Il y a eu beaucoup de gens. L'année prochaine, on va souhaiter beaucoup de meilleures saisons. Là, parce que cette année, là, c'est un hiver à oublier. L'équipe des loisirs, en collaboration avec ses partenaires, vous prépare une belle brochette d'activités pour la semaine de la relâche du lundi 4 mars au 10 mars. Soccer libre, patin libre, bain libre, atelier dehors et des créations, cinéma maison et plus encore. Restez à l'affût pour l'infolette spéciale semaine de relâche. Dans les activités pour la bibliothèque, on a déjà, sont déjà sur le site. Là, je pense que vous pouvez aller sur la page Facebook de la Bibliothèque de Rigaud. On a déjà, il faut vous inscrire à cette activité-là. On a une activité pour une conception d'une maison de Schtroumpf. On a aussi une conception d'un support à fleurs en macramé. Puis on a aussi une activité d'initiation au manga, création d'un manga. Puis finalement, j'essaie de garder ça bref, mais comme vous avez vu, les changements climatiques sont bien et bien présents. On peut le voir cette semaine avec nos températures très printanières. Le sujet de la patinoire extérieure a été déjà abordé. Je sais qu'il y a des gens qui m'en ont discuté. Les loisirs ont déjà étudié le dossier pour une patinoire extérieure. On parle d'un projet qui coûterait des millions. Là. C'est très cher et il y a aussi l'enjeu logistique et tout ça qui va avec ça. Moi, personnellement, j'y vois un moment donné, mais pas pour l'instant. Là. Les citoyens n'ont pas la capacité d'acheter présentement. On se le dit avec l'inflation et tout ça. Là, c'est pas le temps d'investir une somme aussi importante. Principalement, moi, j'aimerais mieux qu'on commence à s'aborder sur la problématique du logement pour les personnes et tous les gens. J'espère qu'on va s'asseoir prochainement et travailler sur des pistes de solutions, parce que le manque de logement est criant présentement et on doit commencer à agir en tant que conseil. Donc, merci beaucoup. C'est tout. Merci beaucoup. Monsieur Pelletier, du district numéro 5. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Ceux à la maison également. Pour ma part, c'est l'avantage de finir. L'avantage et le désavantage, parce que beaucoup de sujets ont été abordés. Au niveau, je siège maintenant au comité des loisirs, et puis mon collègue Kevin a pas mal résumé la situation. Côté du Festival des couleurs, on est encore loin. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé encore. Il y a des réunions qui vont suivre bientôt, puis on va reprendre le collier. Puis le comité des ressources humaines aussi, là, on a une rencontre à la fin mars. Et puis, par contre, j'aimerais ça vous laisser avec une réflexion. On voit souvent sur Facebook, là, puis on entend parler beaucoup les gens de sécurité sur Saint-Jean-Baptiste. Puis j'aimerais ça qu'un jour, on ait le réflexe d'être prudent, puis d'avoir la même conscience que nos amis de l'Ontario. Chaque fois que je vais à Hawkesbury, là, j'ai un choc psychologique. C'est incroyable. Même nous, comme Québécois, on dirait qu'on est porté à faire comme eux. On change notre comportement. Fait que, tu sais, il faut s'inspirer de ça. Peut-être aller plus souvent à Hawkesbury pour importer ce comportement-là. Puis ralentir, parce qu'il y a encore des gens là, qui ont eu des difficultés à traverser la rue. Là. Je ne sais pas si vous avez suivi ça là, sur Facebook. Les gens sont engagés dans la rue, puis les autos passaient. Au lieu de ralentir, ils accéléraient. Fait que c'est vraiment dangereux. Puis on ne voudrait pas qu'arrive un incident fâcheux. Du côté des élections, Charles a lancé la réflexion pour les prochaines élections, bien que je vois ça encore loin, là, mais c'est vrai que c'est pas si loin que ça. Et puis, c'est évident que vous devez savoir que être conseiller, c'est un défi parce que c'est pas toujours facile, puis il faut être patient. Puis des fois, là, on vient à bout, là, on aurait le goût de... Bon, vous le savez vous-même, quand vous êtes ici dans la salle, vous avez le goût de vous choquer des fois, puis de venir vous exprimer au micro pour nous faire savoir
vos émotions, parce qu'on n'est pas des robots, là, nous aussi, on a des émotions. Puis des fois, on est tanné même de notre bord. Puis on voudrait que ça aille plus vite, puis c'est lent parfois. Puis là, on nous explique qu'on n'a pas toutes les on contrôle pas tout. Il y a des règlements, il y a des lois provinciales, il y a plein de facteurs, les capacités des ressources humaines, des employés. Puis si on dit, bon, on va engager plus d'employés, c'est fait, on règle tout comme ça, ben oui, mais là, on va avoir un autre problème parce qu'on va avoir une masse salariale trop élevée, puis il va falloir monter les taxes. En tout cas, c'est juste pour vous dire que c'est pas si simple que ça. Puis dites-vous que même si parfois vous êtes en colère contre nous, on fait notre gros possible. Et puis, s'il y en a qui veulent se présenter aux prochaines élections, puis qui veulent que je les aiguille, là, je leur donne mes réflexions sur ce passage-là qu'on vit ici. Ça me fera plaisir de vous le transmettre. Merci à vous, puis bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Monsieur Lapointe, du district numéro 6. Atlas. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Quelques petits points, là. Chez probablement ceux qui vivent dans la montagne, vous avez remarqué la semaine dernière que le dos d'âne au coin de Saint-Viateur et de Courcel est disparu et de façon définitive. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont étudier quand même la portion entre Lourdes et de Courcel, voir s'il y a quand même lieu d'installer un dos d'âne, mais plus où est-ce que les autobus scolaires circulent. Faut par exemple que les gens se rentrent dans la tête. Là, ils étaient tout habitués là, d'arrêter deux fois là, parce qu'il y avait le dos d'âne et le stop, mais là, espérons qu'ils ne feront pas comme ils font au coin de Bourget et Saint-Viateur, puis de mettre l'arrêt, parce que l'arrêt est obligatoire. Puis quand c'est une côte, ça descend, puis ça l'accélère. Fait que vous savez qu'à partir de Courcelles jusqu'à Lourdes, la zone est de 30 km/h, pas 40. Fait que si les gens ne comprennent pas, là, de toute façon, on a des photos radars, mais on a des instruments pour mesurer la vitesse et le nombre de véhicules qui enfreignent le code de la sécurité routière. Fait que on va probablement, au lieu de le mettre sur Lourdes, là, ben on va peut-être le mettre sur l'autre côté. Fait que on va pouvoir prendre des données là-dessus. Concernant aussi, ben là, Kevin a glissé un mot, là, les changement climatique, ben moi, ça fait longtemps que j'en parle, là, d'avoir une patinoire réfrigérée. C'est quelque chose qu'on regarde. Okay? On n'aura pas le choix éventuellement, là, si on veut avoir de la glace l'hiver, d'avoir quelque chose qui est réfrigéré, parce que ça fait quelques années là, que, oubliez ça, là, si on a 4-5 jours de glace pendant l'hiver, là, c'est beau. Normalement, là, quand moi j'étais jeune, on commençait à patiner au mois de novembre, puis on allait jusqu'à mi-mars. On en avait de la glace dans le temps des congés scolaires de Noël, fait que les jeunes sortaient dehors. On n'avait pas de tablette dans le temps, mais ça, c'est une bonne affaire parce que ça met de la confrérie au niveau des jeunes. Là, comme à un moment donné, il y a la maison des jeunes, mais au lieu de ils pourraient aussi organiser des games de hockey, puis plein d'affaires qu'ils pourraient jouer. Ils pourraient jouer même au ballon-ballet, parce que ça, le monde a oublié, là, mais que ça existe, là, qui est un sport assez intéressant. Fait que c'est ça que je vais vous parler, mais là, étant donné que j'ai reçu mes rapports de tous les événements de la sécurité incendie, je vais vous en lire trois. Là. J'espère que ce ne sera pas trop long, on va faire ça vite. Pour le mois de novembre, la sécurité incendie, là, au niveau de la formation, bien, il y a eu 8 activités de formation à la caserne au mois de novembre. Tous les officiers de la sécurité incendie de Rigaud, ainsi que les officiers des villes avoisinantes, ont participé à une formation gestion d'un Mayday. Également, 2 formations en espace clos, 1 formation recherche de victimes et MEDE et 4 séances de requalification premier répondant. Au niveau des interventions incendies, pour la période du 1er au 30 novembre, nous avons répondu 19 appels incendies. Parmi ces appels, il y avait, entre autres, 6 alarmes en fonction, 4 accidents de la route, 4 appels concernant les fils électriques, 1 déversement mineur et 3 appels pour diverses vérifications. Nous avons eu recours à l'entraide 4 fois au mois de novembre. Nous n'avons pas eu à assister d'autres municipalités. Le service incendie, pour la comparaison, avait répondu à 308 appels d'urgence au 30 novembre de cette année, comparativement à 210 l'année d'avant. Au niveau des interventions premiers répondants, nous avons répondu à 41 appels premiers répondants en novembre,
soit 565 appels comparé au 39 ans comparativement à 563 l'année d'avant. Pour le mois de décembre, ben, en raison de la réunion générale, il n'y a pas eu de formation au mois de décembre. Pour la période du 1er au 31 décembre, nous avons répondu 18 appels incendie. Parmi ces appels, il y avait eu, entre autres, 10 alarmes en fonction, un appel concernant un fil électrique, 4 accidents de la route et un dégât d'eau. Nous avons eu recours à l'entraide 9 fois au mois de décembre. Nous n'avons pas eu assisté d'autres municipalités. Le comparatif de cette année, 326 appels d'urgence au 31 décembre, comparativement à 251 de l'année d'avant. Au niveau des premiers répondants, il y a 63 appels en décembre. La comparaison, c'est 639 appels d'urgence médicale en 2023, comparativement à 615 en 2022. Ça, c'était la résumée de 2023. Pour ce qui est de 2024, pour le mois de janvier, il y a eu 6 activités de formation à la caserne au mois de janvier, une formation sur les structures de bâtiments, une visite du collège des douanes, panneaux d'alarme incendie, pompe incendie, ascenseur, etc. Intégration des 3 nouvelles recrues à Pria, désincarcération, équipement, transport d'eau et alimentation en eau, une formation de 3 pompiers sur le véhicule 307 et 2 formations premier répondant pour un pompier recrue. Pour les interventions incendies, pour la période du 1er au 31 janvier, nous avons répondu à 17 appels incendies. Parmi ces appels, il y avait eu, entre autres, 5 alarmes en fonction, 7 accidents de la route, 2 appels concernant des fils électriques. Nous avons eu recours à l'entraide 4 fois au mois de janvier. On n'a pas eu à citer d'autres municipalités. La comparaison pour le mois de janvier de 2023, c'est 31 appels en 2020, 31 appels en janvier 2023, puis comparativement à 17 en janvier 2024. Intervention premier répondant, nous avons reçu 49 appels premier répondant en janvier. La comparaison, les premiers répondants ont répondu 72 appels d'urgence médicale en janvier 2023, comparativement à 49 en 2024. Le monde sont plus en santé. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée, bonne période de questions. Merci. Alors, je vais passer moi aussi. J'ai plusieurs informations à vous donner, comme à l'habitude. Alors, merci de votre présence. Merci aussi à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, l'année est bien amorcée et nos équipes travaillent fort à poursuivre chacune de leurs missions afin de bien vous servir et de vous satisfaire. Dans ce contexte, certains d'entre vous, plus particulièrement les 1100 abonnés de l'infolettre hebdomadaire, avaient sans doute remarqué que la Ville a lancé progressivement son nouveau site Internet et sa nouvelle image de marque. Un look et des couleurs rehaussées pour refléter l'harmonie et la diversité qui animent notre communauté, tant par les personnes, la faune et la flore qui la composent, mais également par les activités et les paysages qui nous rassemblent. Nous sommes fiers de redonner à Rigaud ses lettres de noblesse en revalorisant son caractère champêtre, mais aussi en modernisant les outils qu'elle offre à ses citoyennes et citoyens, comme en atteste le plus récent infolettre, plus convivial et épuré. Au cours des prochaines semaines, nos équipes bénéficieront leur contenu au site Internet afin que vous ayez de plus en plus d'accès aux informations qui vous concernent. Donc, l'ancien site, là, il n'est plus accessible. Là, c'est vraiment le nouveau. Nous vous remercions de votre patience, comme le site est toujours en évolution et je suis certaine que plusieurs d'entre vous êtes heureux de ne plus avoir à naviguer avec l'ancien. Avant de conclure, j'aimerais partager avec vous quelques chiffres qui en disent long sur le travail accompli par nos équipes au cours de l'année 2023. Ces chiffres nous permettent de mettre en lumière le travail colossal de nos équipes municipales qui, malheureusement, travaillent souvent dans l'ombre. En termes de communication avec nos clientèles et nos publics, les membres de nos équipes ont reçu près de 145 000 courriels. Tous services confondus. Plus de 27 000 appels entrants au numéro principal. Effectué plus de 61 000 appels sortants pour un total de 1536 heures en appels téléphoniques, soit l'équivalent de 64 jours d'appels. Ils ont reçu un total de 2675 requêtes. De ces requêtes, plus de 5195 interventions sont découlées. L'équipe de finances a produit et acheminé 4046 comptes de taxes, traité
403 taxation complémentaire résultant de mise à jour du rôle d'évaluation, facturé 215 mutations à la suite de la vente d'immeubles, produit 2978 chèques et prélèvements pour le paiement des fournisseurs. L'équipe incendie a quant à elle 326 interventions à son actif pour le volet incendie, 639 interventions pour son volet premier répondant et réalisé 12 demandes d'entraide dans la MRC. La division urbanisme a délivré 596 permis et certificats, dont 187 autorisations pour abattage d'arbres, 11 permis d'agrandissement pour une valeur estimée de 2 656 000, 27 permis de construction pour une valeur estimée de 15 417 000, 53 permis de rénovation pour une valeur estimée de 2 204 877 $. Et finalement, la division du greffe et des affaires juridiques a réceptionné et traité 86 demandes d'accès à l'information, publié 3 appels d'offres publics, accompagné les équipes dans la procédure de gestion contractuelle pour 11 contrats de plus de 25 000 $, livré 18 séances du conseil municipal comprenant un total de 315 résolutions. Donc, quand on fait la lecture des résolutions, là, c'est des fois, il y en a qui peuvent être sur 3 pages. Bien, il faut toutes les formuler pour chacune des séances. Alors, je remercie notre directeur général de nous avoir fourni ces chiffres. Cela permettrait certainement à nos concitoyens et concitoyennes de mettre les choses en perspective. Je tiens à remercier nos équipes pour tout ce travail qui fait avancer notre ville. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et on va passer à la deuxième période de questions, en fait. Alors, j'invite les personnes intéressées à poser des questions. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et les citoyens participent à Facebook à la séance en direct. Donc, en vous présentant au micro, on doit se nommer et donner son adresse. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Lise Richelieu. Je meurs dans le bas de la rivière. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des nouveaux développements au sujet de l'affaissement de terrain sur le bas de la rivière? Est-ce que vous avez reçu quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez l'intention de faire une amélioration au sujet de la route, peut-être au printemps? Il n'y a aucun travaux qui va se faire ce printemps sur le chemin. Non. On a, comme le mois passé, là, on a reçu le rapport. Il est en lecture et sûrement des questions qui vont être posées à la firme aussi là, concernant le rapport. Mais est-ce que vous pensez que vous allez faire quelque chose pour... vous savez que le terrain est en baisse, c'est dangereux. Bien, est-ce que vous pensez que vous allez la remonter, la mettre à un niveau? Bien, pas ce printemps. C'est pas dans les travaux de ce printemps, non. Non, peut-être à l'été? Non plus. Ah, à l'automne? Non plus. Ah, en 2025? Bien, peut-être. Ah, en 2025. Ça serait évalué avec le département. Oui, exactement. Très patient, hein? Oui. Est-ce que vous avez l'intention peut-être aussi d'améliorer la chaussée? Parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de trous, de craquer. Abîmer la route. Est-ce que vous pensez l'avez amélioré sur le pointe à ce pointe au sable? Elle est toute neuve, ça oui. va super bien, hein, là, oui. cette route-là. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas faite sur le bas de la rivière, à cause qu'elle est inondée? En fait, là, le service des travaux publics ont oui. un dossier avec toutes les routes. Oui. Et chacune des routes est cataloguée de A à E, je crois. Okay. Donc, A, c'est des travaux qu'on ne fera pas parce qu'ils sont en bonne condition, et E, c'est les prochaines à venir. Est-ce que les catalogues... Là, je ne pourrais pas vous dire. Ah, bien. Je ne pourrais pas vous dire. C'est une question qu'on peut est-ce poser. Est-ce qu'à la prochaine réunion, est-ce que vous pourriez me le dire? Qu'on peut demander... Est-ce qu'il y a une possibilité, s'il au service? Vous plaît? Oui. Oui? Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Je vais me lancer. Caroline Tessier, 85% du allô, ça va bien? Ça va bien? Que vous allez bien? Oui. Ben, premièrement, je vais juste me permettre un petit commentaire. Vous avez dit que la ville de Rigaud, avec un cachet champêtre, le Ultramar, qui vient juste d'être construit. Eh, Seigneur! Ça serait peut-être une bonne idée d'adopter des lois d'urbanisme qui ont du bon sens pour notre belle ville. Oui, mais c'est ça. C'est... Ça s'est fait il y a longtemps, là.
Oui, c'est ça, mais là, il faudrait changer ça. Mais on ne peut pas obliger le propriétaire à changer. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans les lois de la ville de Rigaud... Oui, on travaille là-dessus. Oui, effectivement. Oui. Sinon, ça me fait toujours rire quand on parle de la rue Saint-Jean-Baptiste et qu'on dit, on se jette tout le temps, on lance la balle avec... les routes provinciales, tu sais, à un moment donné, il faut aussi mettre notre pied à terre. Puis si jamais, c'est sans offense, si jamais les conseillers n'ont pas les compétences ou les connaissances pour être capables de mettre un pied à terre et de modifier une route provinciale, bien, peut-être aller chercher des informations dans d'autres villes qui ont réussi à le faire. Je vous ai envoyé des centaines, bien, pas des centaines, là, mais plein de documents. Je les avais envoyés aussi à Martin quand c'était quelqu'un d'autre, le maire. Ça ne s'est jamais fait. Il y a eu des tonnes de pétitions de la part des citoyens. Ça ne s'est jamais fait quand même. Fait que je pense que si après deux mandats, puis deux maires, puis à qui on demande de le faire, ça ne se fait pas. Peut-être vous pouvez nous en dire plus, mais au fait, ce n'est pas normal. Puis je pense qu'en tant que maire et en tant que conseiller, vous devez d'aller chercher les bonnes ressources pour être capable de modifier cette maudite rue Saint-Jean-Baptiste, qui, selon moi, à partir de l'autoroute jusqu'au pont, devrait être complètement aménagé pour des cyclistes, des piétons. Exactement. Et, tu sais, ça se fait, c'est possible. Puis j'espère que vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Bien, est-ce que je peux répondre? Oui, je vais juste poser mes questions, puis après ça, pour ne pas les oublier. Allez-y. Sinon, par rapport au stationnement sur Croissant-sur-Ouen, on ne sait pas si vous aviez peut-être un peu plus d'informations, là, si on va pouvoir éventuellement avoir notre asphalte dans nos driveways, parce que... le règlement municipal. Je pensais que c'était déjà réglé. Nous, on n'a eu aucune nouvelle. Fait qu'on aimerait juste savoir les nouvelles par rapport à ça. Là, les gens du Croissant-du-Sourois, on aimerait bien pouvoir donner des nouvelles aux contracteurs. Okay. On va le prendre en note parce que, à ma connaissance... C'est supposé avoir été modifié? Bien, en tout cas, à ma connaissance, le travail a déjà été amorcé. Là, fait que... OK. Ben, on va vérifier. Si vous êtes capable d'envoyer un courriel à Jean-Philippe Mathieu, qui a gentiment envoyé des courriels à M. le directeur ici. Sinon, pour les stationnements aussi, là, il y avait un problème de stationnement. Je ne sais pas si ça a été réglé aussi, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles. Tu veux-tu… Je pense que vous avez mentionné tantôt, mais… C'est ça, ça vient. On vient d'avoir la proposition de la voirie aujourd'hui qu'on va approuver. Puis justement, dans les comités des lois de la voirie, on voulait maximiser le nombre de places vraiment avec le taux du champ, pas un champ d'épuration, mais les réservoirs, le bassin de rétention. Fait que là, il va y avoir vraiment on va maximiser ces ajouts-là. Là. Fait que ça devrait être débloqué là, prochainement. Puis quand on en discutait, là, on va avoir des stops aussi qui vont être ajoutés. Parce qu'en gros, les mesures qui vont être ajoutées, c'est des stops au coin de chaque entrée. Okay. Des pancartes pour avertir les allées jeunes, deux speed bumps qui vont être ajoutés. Super. Merci. Ça, c'est aujourd'hui. Hein. Fait que donc là, on a donné le temps, la chance. Ben là, je suis vraiment contente. Mais parce que non, ça, puis juste aussi, c'est un dossier qu'on a mis, M. Martin puis M. Pelletier, on a travaillé dessus parce que ça fait depuis au moins un an qu'on en discute. Là, on a été sur place. Fait que je suis contente et j'espère qu'on va avoir une belle... Ben merci. J'espère que les citoyens du Croissant en ce moment écoutent en ligne. C'est vraiment très, très cool. Je suis très contente. Sinon, une dernière intervention. En fait... La nouvelle hôpital à Vaudreuil est en train de se construire. Il va y avoir un arrivée massif de personnes. Effectivement, ça prend de l'eau potable propre. Il va falloir éventuellement construire des plus gros bassins de rétention pour le traitement des eaux, etc. Mais au-delà de ça, au niveau loisirs, ça fait plusieurs années qu'on le demande d'avoir une piste cyclable sur la traque de chemin de fer qui n'est pas utilisée, comme un peu le petit train du Nord au fait Saint-Jérôme. Je ne sais pas si vous avez eu des discussions avec Hudson, avec Vaudreuil, par rapport à ça, ça serait dommage d'attendre que toute la population soit rendue ici pour, après ça, peut-être dans 15 ans, commencer à faire ce projet-là. Quand on parle de développement durable, de transport actif, c'est une des plus belles solutions qu'on peut avoir. Moi, j'ai voyagé quand même plusieurs fois Rigaud, Vaudreuil, quand j'étais enseignante à la Cité des jeunes. Maintenant, je suis à Saint-Zétique, c'est un peu plus périlleux d'y aller en vélo. Mais c'était quand même déjà très périlleux d'aller en vélo là, de Rigaud à Vaudreuil par certaines routes là, qui sont à 50 km/h. Je me dis, ben les fins de semaine ou même pour les gens qui voudraient prendre leur vélo, ça serait vraiment une bonne idée. Vous en aviez parlé, on en avait parlé ensemble aussi, je pense. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore dans un horizon? En tout cas. Je vais commencer par le premier volet, qui est la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui. Donc, on a eu une rencontre avec la ministre du MTMD. Oui. On a eu une rencontre dernièrement avec Mme Picard. Et, en fait, ce qui nous a été dit, c'est que
de passer des résolutions, une ici, un autre là, un autre là, un autre traverse. C'est pas la façon de procéder. Donc, ce qui nous a été proposé, c'est de faire un plan d'aménagement de la rue Saint-Jean-Baptiste en son ensemble pour dire ici, on veut avoir une traverse, ici, on veut une piste cyclable, ici, on veut avoir un trottoir, on veut faire de la plantation d'arbres ici, on veut... Donc, c'est ça qu'on va réaliser en 2024. Yes, sir. C'est exactement ça. C'est déjà commencé. Puis ensuite, quand ça va être... Quand le plan d'aménagement va être réalisé, puis on va demander la collaboration du citoyen aussi pour participer, parce que forcément, ça prend tout le monde dans cette élaboration-là. Là, on va pouvoir faire une résolution avec ce plan-là. Parfait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a discuté avec, avec Mme Picard, puis j'avais signifié à Mme Picard, c'est beau de mettre de l'argent dans un plan d'aménagement de la rue Saint-Jean-Baptiste, mais il faut aussi l'ouverture du MTMD pour appliquer ce que les citoyens et la ville veulent avoir pour la rue Saint-Jean-Baptiste sans nécessairement l'acquérir. Fait que oui, les travaux d'aménagement, c'est la ville qui va les assumer, mais la route va quand même demeurer au MTQ. Mais tout va être fait pour le développement durable et la mobilité durable, etc. Fait qu'on dit 2025, on devrait avoir un plan officiel déposé ou… Je le souhaite. OK. Comment ça va vite, il faut être patient. Il faut être patient, c'est ça. Ensuite de ça, le côté voie ferrée. Ouais. Bien, vous le savez là, qu'on a acquis la portion, dans le fond, qui va jusqu'à Saint-Eugène, ouais. L'autre bord du pont jusqu'à Saint-Eugène, qui va être reliée au sentier transcanadien. Donc, il reste notre partie, dans le fond, Rigaud, Hudson, Vaudreuil, pour que le trajet soit fait jusqu'à Ottawa et plus encore. Donc, cette partie-là, on est déjà en train de travailler pour faire sortir les gens du domaine Saint-François par cette piste cyclable-là et non par Saint-François parce que le MTMD n'était pas ouvert à avoir des pistes cyclables sur chaque côté parce que l'espacement n'était pas suffisant. Donc, on va travailler sur cette portion-là parce que ça nous appartient. L'autre portion ne nous appartient pas. La gare nous appartient, le terrain ne nous appartient pas. Donc, oui, on est en pourparler avec EXO à savoir est-ce que c'est possible de l'acquérir, la même chose qu'on a fait avec Via Rail par le passé. Puis, les villes de Hudson et Vaudreuil, la problématique, c'est qu'ils ont encore le train. Donc, bien, comme à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides, pour avoir habité là-bas, la piste cyclable passe directement à côté des rails de train, puis il y a une clôture de protection aux endroits où est-ce que la piste cyclable... passe au même endroit au fait que le train. Fait que selon moi, ce n'est pas un problème. Là. Non, oui, ça, c'est un gros problème parce que nous, on l'a fait. En fait, on a fait sur les rails la portion Vaudreuil et Hudson, puis chacune des deux n'a pas l'espacement pour faire une piste cyclable à côté parce que c'est souvent des ravins qui sont de part et d'autre. Donc, ça serait impensable de canaliser ces ravins-là pour ensuite de ça rajouter de la terre, de l'asphalte ou de la poussière de roche ou peu importe. Mais oui, on est en discussion avec EXO pour avoir cette partie-là. Puis, on met la pédale à fond parce que nous, on n'a pas de train. Donc, on demande, est-ce que c'est possible d'accélérer le pas pour la portion Rigaud? Ouais. Puis, ensuite de ça, continuer avec ça, les Rigaud, autres. Ben oui, ça c'est... Fait qu'on est là-dessus, dans le fond, à savoir est-ce qu'il permettrait à la ville de Rigaud d'aller de l'avant tout de suite, puis ensuite de ça, aller de l'avant avec Hudson et Vaudreuil, mais oui, les discussions sont en train de se faire. Parfait, super. Puis pour la gare de train, est-ce qu'il y a un entrepreneur qui voulait ouvrir un café ou un lieu de rassemblement? Ça va être quelque chose qui va être pensé avec les citoyens aussi. C'est sûr et certain que c'est une très vieille gare, donc ça serait vraiment intéressant de la restaurer, puis de faire un halt, là, un halt cycliste, dans le fond. Là, exactement. Œuvre d'art, etc., là. Fait que oui, c'est quelque chose, mais c'est toujours, on va aller s'informer auprès du citoyen aussi. Là. Super. Merci. Il y a toujours des coûts hein, rattachés à tout ça. Mais non, je sais. Mais en même temps, c'est des coûts qui, selon moi, vont être très bien rentabilisés avec le nombre de personnes qui vont venir s'établir à Rigaud avec l'hôpital. On ne se le cachera pas. Oui. Je voulais juste enchérir sur le point de revitaliser et sécuriser la rue principale. C'est parce que ça a été un sujet qui n'était pas abordé souvent là, au comité. Puis, je remercie encore là, les gens qui ont fait la pétition. Merci vraiment de nous aider dans cette étape.
Mais là, on a une belle porte d'ouverture. Puis juste pour vous dire que, bien, j'ai demandé l'approbation, là, c'est correct. On a fait affaire avec l'OBNL rue principale, qu'eux, ils s'y chargent. Ils vont charger aussi de l'analyse des besoins commerciaux, analyse de mobilité, analyse d'aménagement, analyse de revitalisation, etc. Donc, c'est un bel organisme qui vont vraiment travailler pour vraiment redonner une nouvelle vie à la rue principale qu'on va se dire depuis les dernières années détériore. Mais en même temps, on peut mettre aussi là, vraiment des aménagements pour réduire la vitesse. Hein. Donc, encore une fois, là, aux parents de la garderie et tout ça, là, merci de votre patience. On travaille sur le dossier. J'espère que ça va déboucher vite aussi à tout le monde, là, parce que on se le dit, là, tout le monde ici est conseillé, on l'a dit sur la rue principale, là, traverser, c'est l'enfer. Là. Les gens dépassent de côté et tout ça. Là. Fait que, tantôt, on faisait un appel à tous à ralentir, mais généralement aussi, la plupart des gens qui roulent extrêmement vite sur cette route-là, ce n'est pas nécessairement des gens qui habitent à Rigaud. Non, c'est des gens qui clenchent là, de l'autoroute jusqu'au collège, mettons. Exactement. Donc, on va souhaiter à tout le monde, mais tu sais, j'ai même vu des gens, on a vu le vidéo là, d'un mois, là, un 45 pieds qui a dépassé en voie de gauche. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que nous, en tant que conseillers ou en tant que ville, qu'est-ce qu'on est supposé faire contre des contrevenants comme ça à un moment donné? On a comme été à bout des ressources. Fait que vraiment, on est content que non seulement on veut revitaliser la rue principale, mais vraiment aussi là, trouver des solutions là, concrètes. Puis pas juste, peut-être, on pense au speed bump, là, mais rapetisser la rue et tout ça. Parce que là, je pense que là, il y a trop de largeur. Tout le monde est à l'aise. Fait que vraiment, merci de la patience. Je sais que le sujet il revient souvent dans les médias sociaux. Je vais l'adresser. Mais on ne vous a pas oublié, là, les gens de Rigaud, pour la rue principale. Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci. 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 Oui. Alors, sur les réseaux sociaux? Oh! Allô? Oui. Bon. Oui, alors, on a une question sur les réseaux sociaux de Jean Mathéo qui demande si les… Est-ce qu'on a l'adresse? Lui, demande si les dodantes vont être sur la rue de la coopérative ou du croissant. Alors, il doit être soit dans ce coin-là. Croissant. Sur du croissant. Coopérative. Non, non. Coopérative, il va y avoir l'ajout de deux stops. Voilà. On va avoir deux stops. Fait quand on s'en va, mettons, à l'éco-centre, au garage municipal, on va avoir deux stops maintenant à chaque entrée de route. Puis dans le croissant du Sourois, un peu plus loin, là, on va parler avant le tournant, il va y avoir deux dodantes qui vont être mis là, installés là. Si c'est approuvé par… On va dire, oui, comme c'est tu dis, aujourd'hui, là, ça vient de sortir, les coûts sont extrêmement raisonnables. On parle d'une opération qui coûte vraiment pas cher, fait que ça prend l'approbation. Mais on va attendre l'approbation, ça va venir. Puis après ça, c'est assez rapide. Là. Mais c'est sorti aujourd'hui, la nouvelle. C'est chaud, chaud. Oui. OK. Finalement, on a une question de M. Gauthier, Gérald Gauthier. Donc, c'est une question qui est adressée à vous, Mme la mairesse. Il demande, avez-vous payé 100 $ à Mme la députée, comme on a entendu aux nouvelles? Je sais que les dossiers de la Ville sont traités de façon normale, mais pour faire belle impression, des fois, un petit 100 $ ça fait plaisir au financement du parti au pouvoir. Sans rancune, vous avez le droit, comme moi aussi, mais je veux juste savoir si vous avez fait partie de la moitié des maires du Québec qui ont contribué à la caisse électorale du parti au pouvoir. Bien, non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Puis la réunion que j'ai eue avec Mme Picard, en fait, s'est faite en visioconférence. Donc, non, je n'ai pas participé. Est-ce que c'était terminé? Merci. Petite question dessus. Comme conseiller, on a été invité, par exemple, par courriel. On a refusé. Merci. Bonjour. Lynn Lefebvre, 102 Croissant du Sourois. Vous avez parlé tantôt des travaux qui vont être faits à au champ d'épuration. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année exactement? En fait, là, on s'en va en appel d'offres. Okay. Donc, il n'y a pas de travaux qui vont être réalisés. Est-ce que, monsieur Boissonneau, est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi un appel d'offres, en fait? C'est quoi? Oui, Madame Parent. Oui, donc, dépendamment du genre de la nature, en fait, du contrat ou bien du projet, on va préparer un document qui s'appelle « Devis technique administratif ». Donc, c'est un document dans lequel on explique tous les besoins de la ville et puis ben, toutes les conditions dans lesquelles
qu'on veut retrouver au contrat, donc les délais, la durée, les pénalités, les coûts. Ça n'avait pas déjà été fait auparavant, ça? Ça fait longtemps que ça traîne, là, ce dossier-là. Ça fait très longtemps que ça traîne, okay. Comme vous l'avez dit. Là, ça alors, fait vraiment longtemps qu'est-ce qu'il que ça va, traîne. Est-ce que ça va être juste encore les Febreze qui sont... Non, parce que là, dans le fond, ce, que, non, mais ce qu'on a vu... Qu'est-ce qui va être fait concrètement cette année là, pour ça? On s'en va en appel d'offres, donc ça oui, va prendre ça. Encore un an avant qu'il y ait des travaux? Je ne sais pas combien de temps... quand on reçoit les appels d'offres, quand on reçoit les offres, en fait, c'est quoi le délai pour dire, bon, ben on va avec cet entrepreneur-là parce que X, Y, Z, là? Bien, en fait, c'est le service. Donc, par exemple, le service des travaux publics va nous indiquer un échéancier. Donc, par exemple, prévoit que le besoin va arriver au mois d'avril, par exemple, 2024. Le greffe va préparer à l'avance les documents. Donc, si on me dit que le besoin est pour avril 2024, et si j'ai des informations avant, bien, je vais tout faire pour que le contrat soit donné au moment où ce que le service va en avoir de besoin réellement. Donc, là, dans ce projet-là, je pourrais peut-être vous répondre, mais je ne les ai pas sous la main, les délais qui avaient été prévus, mais c'est sûr que ça peut être quelque chose qui peut être répondu. OK. Parce que quand on s'en va en appel d'offres, là, on va attendre. Là, c'est quand les travaux vont commencer, mais là, ça tarde, puis ça ralentit tout le développement résidentiel de la ville de Rigaud. On s'entend, là. Oui, mais il n'y a pas seulement ça qui ralentit, c'est... Bien, c'est une grosse partie, là. Oui, bon. Mais avant d'aller de l'avant avec la réfection des systèmes septiques de la ville, en fait, il faut s'assurer de savoir tous les terrains qui sont disponibles présentement à la construction. Tous les terrains qui sont disponibles dans la ville, y compris le parc du docteur Oscar Gendron, où est-ce qu'il va y avoir des besoins aussi là. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, là, dans le fond, le PPU du parc du docteur Oscar Gendron. Okay. On va assurer, dans le fond, quelque chose de concret, mais avec les citoyens, avec les élus, avec l'administration, avec tout le monde, pour arriver après ça à dire, OK, c'est ça nos besoins pour le parc, c'est ça nos besoins pour nos terrains restants, c'est ça nos besoins pour la population existante, puis là, après ça, on va pouvoir travailler sur les bassins. Là. OK. OK. Mais le Febreze, comme vous dites, là, en fait, le Febreze était donné annuellement à une entreprise sans appel d'offres, sans passer par les bonnes procédures. Okay. Donc, on se rend compte là, qu'il y a plusieurs besoins de la ville qui étaient passés comme ça, puis que finalement, il faut aller en appel d'offres. C'est pour ça qu'il y en avait une liste interminable, dans le fond. Là. Parce que c'est des contrats qui reviennent à chaque année. Donc, on en a besoin à chaque année. Donc, quand on a des besoins qui sont récurrents, on doit procéder en appel d'offres, mais les travaux vont être réalisés. Un coup, on va avoir l'ensemble de toutes les indications. Là, ouais. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, j'aimerais savoir si... Juste votre nom, votre adresse. Édith Dehaene, 393 Chemin du Haut de la Chute. Merci. J'aimerais savoir si les subventions qu'on avait obtenues pour les bassins sont encore disponibles. Oui, exactement. On a la confirmation. Donc, on n'a pas perdu, on ne perdra pas non plus. Là. OK, ouais. Parfait. Exactement. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question sur les réseaux sociaux? Oui, alors j'ai Cède Filion, 8 rue de la Coopérative. Merci. Que faites-vous avec les terrains vides inondables sur le bas de la rivière? En fait, on peut pas rien faire avec ces terrains-là, en fait. Quand les gens ont dû quitter pour à cause des inondations, en fait, le MSP a racheté les terrains de ces personnes-là et ensuite, on a passé des résolutions pour les transférer à la ville pour $1. Maintenant, on peut pas construire dans ces zones-là. On peut pas, on peut même pas mettre un cabanon sur un de nos terrains dans cette zone-là. Donc, la seule chose qui pourrait arriver, c'est que si jamais il y a un citoyen qui veut avoir la partie d'à côté de chez eux, ben, il va devoir, dans le fond, en faire une demande à la ville. Puis la ville va devoir s'informer à savoir combien le MSP a payé pour le terrain, puis le citoyen va devoir donner à Rigaud la somme que le MSP a donnée, et Rigaud va devoir
rembourser le MSP du montant donné à la base. Donc si le terrain, ils ont eu, je vais dire un chiffre comme ça, le 20 000 $ bien, le citoyen voisin va devoir donner à la ville de Rigaud 20 000 $ puis la ville va devoir prendre le 20 000 $ et le retourner au MSP. Donc, ces terrains-là, on est en train de regarder à savoir s'il n'y aurait pas des subventions. Je pense qu'on a déjà fait une demande, justement, de subvention là, pour le reboisement ou la plantation là, pour avoir une meilleure captation des eaux. Malgré qu'on sait que, des fois, il y a un mètre d'eau sur la chaussée, là, mais quand même, on ne peut pas faire rien présentement à part des aménagements là, pour aider la rétention. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à M. Pelletier. Les points, clôture de la séance, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, je propose que la présente séance soit clôturée à 20h29. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Thank you.
Merci pour